Quand j'avais 15 ans, ma famille est venue passer l'été dans l'île. Il y avait beaucoup moins de maisons et beaucoup moins de gens que maintenant. Le caractère de l'île et la singularité de la mer étaient beaucoup plus remarquables à cette époque-là. Pour qu'un garçon ne meure pas d'ennui, il fallait que sa famille soit sûre que d'autres familles du voisinage fourniraient à l'île son contingent d'enfants. Pendant l'été de 42, il y avait en plus de moi, Oscar, mon meilleur ami, et Bernard, mon second meilleur ami. Nous nous étions donné le nom de Trio Terrible. Cette maison isolée était celle qu'elle habitait. Personne, depuis la première fois que je l'ai vue, ni rien de ce qui m'est arrivé ensuite, ne m'a donné une telle sensation de peur et de confusion. Aucun des êtres que j'ai connus n'a autant fait pour me rendre plus sûr de moi et plus incertain, plus persuadé de mon importance et de mon insignifiance. Va l'emmener dans la chambre à coucher. Il faudra d'abord qu'il pose son bois par terre. Très drôle. Oh, arrête, toi, fais pas le con. Oscar, rends-moi mon chapeau. Allez, viens, Herbert, tu vas te manier.